l'auteur du présent livre, en cet endroit, supplie sa lectrice, si peu qu'elle ait la main jolie, comme il n'en doute pas, d'y jeter un moment les yeux et de penser à son dernier amant. Quel songe de plus que Mardoche était jeune, amoureux, qu'il avait pendant un mois fait jeûne, que la chambre était sombre et que jamais baiser, plus long ni plus ardent, ne put être posé d'une bouche plus tendre et sur des mains plus blanches que celle que Rosine eut au bout de ses manches.